Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interaction avec notre toile sur le module HTML5 Canva. Et aujourd'hui nous sommes sur la partie 4.0. Dans la précédente vidéo, nous avons dessiné Pac-Man à l'aide du cercle sur notre toile. Et maintenant nous allons savoir comment écrire des textes basiques sur notre toile à l'aide de ces attributs ci-dessous. À l'attribut fil texte, stroke text et prompt. Nous nous retrouvons sur notre éditeur de code. Nous voilà sur notre éditeur de code. Alors, dans le code, nous avons tout d'abord le point font, ici où nous mettons la taille et la police qu'on veut. Ensuite, pour l'attribut fil texte, nous devons mettre le texte, les coordonnées x et y et sa taille max. Par exemple, ici nous avons fait une variable ftext que vous voyez ici. Ftext, c'est le texte que nous avons déclaré. Nous avons déclaré salut à tous. Ensuite, ici ses coordonnées et sa taille. Ensuite, dans stroke test aussi, c'est comme fil texte pour dessiner un texte. Nous avons ici mis déclaré une variable sText que nous avons mis voici mon canva. Ensuite ses coordonnées et sa taille. Ensuite nous allons voir le résultat sur notre page HTML. Nous avons bien ici du coup les deux variables, les deux attributs, le premier attribut fil text et le deuxième attribut stroke text. Nous voyons bien que notre police a bien été pris en compte et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons styliser nos textes. Merci, à la prochaine.